is wel in orde. En de Soufa zoekt een beetje zijn tweede adem. Heeft wat veel gegeven, de eerste 20 minuten. Wist meteen wat hij ging doen, laat de botsen één keer raken en in het zijnetje. Uitstekend gedaan, het is zijn eerste doelpunt van het seizoen. En Mark Boussoufa in de 30e minuut zit Anderlecht perfect op schema. Ja, en heeft hij zijn tweede adem gevonden. Het was een tijdje geleden dat we hem zagen. Nu wel een perfecte keeperbal van Jelle van Damme. Zoals hij er al veel heeft gegeven dit seizoen. Helemaal op rechts achter, maar toch half. Maar die door Lekes was gezet. In die bij Gent kwam. De Jaar met de goede voorzetter. Boussoufa niet. En daar is Van Damme. En dan Boussoufa binnen. En hij zit erin. 1-0 voor Anderlecht. Jonathan De Jaar is toch ook bijzonder goed bezig. De laatste tijd. Met de voorzet. Van Damme dan. En Boussoufa. Met een halve hak. En Anderlecht 5 keer op achterstand gekomen, maar nu op voorsprong. Hier is de baas voor Le Jaar. Daar is de voorzet. Daar Boussoufa nog niet. Van Damme die dan komt aangelopen en verlengd door Boussoufa. Bal van buiten spel nog. Lijkt me niet. Pratiquement à distance réglementaire, il faut laisser concentrer Boussoufa qui vient de gagner 50 cm. Dès lors le mur s'est évidemment rapproché. Alors il la met à droite d'Espinoza. Oui, oui. Il la met à droite d'Espinoza. Eh bien, il est prêt à faire ça tout seul. Hein. Il a provoqué la faute et il marque le but. Superbe frappe hein, parce que la classe devant le mur et dans le mur il y a des grands formats. Hein. Effectivement, superbe but de Boussoufa au meilleur moment. Juste avant le coup de pied de l'arbitre, la mi-temps. Espinoza, je vois s'il n'a pas touché, effleuré en tout cas cette balle. Elle est difficile. Il est effleuré. Ah, je pense même qu'elle est passée à travers. Oui. Elle passe au point qu'on va voir ça ici. Ouais, juste, hein. Il n'est pas la tête non plus. Hein. Et le mur s'écarte. Et le mur s'écarte. Le mur s'écarte, voilà. Ça aussi, c'est une erreur. Le mur doit rester compact. Et sauter en même temps. Là, elle passe entre, je pense, Witzel et Mbokani. C'est logique. Boussoufa met wat ruimte. Boussoufa naar Frutos. Doet meteen naar de buitenkant. Ja! Het is Boussoufa die hem aanraakt en het staat gelijk. En niet toevallig komt die actie voort uit de linkerkant. En niet toevallig komt die van Jonathan Le Jaar. De frustratie bij Jacky Matthijssen. Alles ter doen bij Club Brugge. En de vloek van Stijn Steijnen heeft de grote danken. En Anderlecht staat gelijk. Boussoufa vrij. Frutos geen buitenspel, goed opengelegd. Le Jaar met rechts. Boussoufa op het randje. Helemaal op het randje, buitenspel. Het is een mooie goal. En het is verdiend. Hij keek ook meteen naar de grensrechter om te zien of hij zijn vlag niet in de lucht had gestoken. Het is in elk geval...
position. 1-0. Il aurait peut-être le héros. Mais voilà, alors on va voir si c'est un grand joueur, se remettre en position 2, mais voilà, c'est pas mal fait ça. Et c'est but. Et c'est but de Boussoufa. On va voir si c'est un grand joueur. Magnifique. Eh bien, je pense qu'il l'est. Bravo à Boussoufa, mais c'est fabuleux pour le JAR. Au moment où je vous dis, on va voir si c'est un grand joueur, il nous sort un grand morceau de football, je crois. C'est très bien fait, en plus c'est un centre en retrait. Regardez, il arrive quand même à passer. Hein. Marcos c'est un petit peu fautif aussi, j'ai l'impression. Parce que c'est Marcos, oui. C'est trop laxiste hein, aussi, il doit mettre le pied, il doit tacler. Ouais. Et 8e but pour Boussoufa. Ah, et Marcos, là, c'est vrai qu'il est loin. Hein. Ah ouais, il doit mettre le pied, il doit se coucher. Brutos, Vilcek vertrekt. Pas moet komen. Pas kwam. Brutos opnieuw. En daar is Boussoufa met de kans. Boussoufa! En hij zit erin. Het is 4-1. En de boeken kunnen dicht voor de rust. Ja, dat doen ze reageren na een opkopper als die van vorige week. En een Mark Boussoufa. Tik nummer 4 binnen. En dat zijn voor Mechelen 3 goals in 7 minuten tegen. Brutos hier. Dan leek het even mis te lopen. Krijgt hij die bal toch nog bij Boussoufa. En via Olivier Renard boxt hij binnen. Maar goed hem te laat. En Renard kan er alleen maar naar draaien. En ook met tevreden zijn over zijn wederoptreden. 4 goals binnen in 37 minuten. Roger. Il y a pour ce coup franc. Il est bien donné. Steinen, on se loupe un peu Alcaraz, la talonnade et le but de Boussoufa. La talonnade était de Van Damme et Boussoufa ouvre méritoirement la marque pour le Sporting d'Anderlecht, son 9e but de la saison. Et on revoit ce coup franc. Anderlecht qui marque beaucoup sur coup franc et Bruges qui en encaisse beaucoup, beaucoup trop cette saison. Ce sera 13e encaissé sur coup franc pour Bruges. Et le 13e marqué pour Anderlecht sur ce type de phase. Ça fait toute la différence jusqu'à présent. Alors on revoit ici le but pour constater que peut-être Vasilevski est en position de... Ouais, peut-être de hors-jeu. Ce ballon qui convoitait. But égalisateur, il n'y en aura pas. Par contre, un troisième but pour les Mots avec l'entrée de Le Jar à 20 minutes de la fin. La frappe repoussée par Mollet dans les pieds de Boussoufa qui signe dans les dernières secondes de cette rencontre le troisième but. Anderlecht, son 6e but de la saison. Courtrai est donc battu pour la première fois à domicile depuis 17 mois après sa défaite face à l'Union Saint-Gilloise. C'était en D2. C'est donc un autre club bruxellois en D1 cette fois qui va. Ballon un peu flottant, hein, Polak, mais c'est peut-être pas la meilleure option. Et toujours sur la droite, côté Anderlecht avec Châtel, le centre de Châtel, deuxième poteau, Boussoufa le but. Et voilà, tout seul. Et c'est deux buts partout par l'ancien Buffalo, Mba Boussoufa. Un Boussoufa qui revient de très très loin, mais c'est aussi évidemment la force d'un coaching de laisser et de poursuivre dans cette voie en se disant ça finira bien par aboutir chez Mba Boussoufa. Regardez là cette fois où se trouve Rosales. Il y a une position de jeu sur le centre départ, mais Hassan n'intervient pas. C'est pas en tout cas comptabilisé par l'assistant. Et puis au deuxième poteau, le tout petit Boussoufa, il n'a même pas 100m70. Bah, il arrive à le placer, ce ballon, parfaitement hors de portée d'Urgasevic. Ahmed Hassan en position de hors-jeu, c'est aussi clair sur ce ballon, mais Rosales là ne le tient plus du tout. Et c'est clair que le gardien ne peut rien faire, en tout cas devant cette tête, ce ballon de Boussoufa et le spectacle.